Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil Révélation live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Personne n'a pu survivre à ça. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Alors le piège tendu à Jill Parker, c'était... Oh merde! C'est un piège! Ouais, j'en suis pratiquement sûr. Nous allons chercher Jill et Parker. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. Pareil. Merde, ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non, les transmissions sont HS. Merde, on est coincé. Jill! Vous êtes qui, vous? Je refais ce bout là. Ah non. Excellent. Crime, c'est bien fait ce jeu-là. Nice. Thank you.
Oui, hein? Caribou 38, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh, yeah! Bon. Je vais te tuer. On sait qu'on avait juste ça à faire, mais là, c'est plus compliqué que je croyais. Tu viens d'où, mon cher ami? Ah ouais. La première fois que je vois un autre caribou, il crée qu'un cas. Pourtant, ça fait longtemps que je stream, depuis 2015. Tu joues à quel jeu principalement? Je joue un peu de tout. Colique, je suis pris. Je marche pas en tout. Oh non! Tu me niaises-tu? Y'a rien qui va! Ah, je me pogne dans un piège! Tu me niaises-tu? Je me prends un piège. Je suis un monstre.
thunes. Je comprends pas, pourtant je... L'ai eu! Enfin! C'est la clé de la salle de transmission d'urgence? Ouais. Python se trouvera infesté de monstres. Merci. Tabarouette. C'était facile. Ben. Ah bah ouais. Tout pris mon arsenal, ces cochonneries-là. D'office de transition. Ça, je l'ai déjà lu dans l'autre. As-tu, quel FPS tu joues principalement? T'es un fan de Resident Evil aussi? Ou? Un fan de ça, mais j'aime bien. Ah ouais. Moi, je les ai pratiquement toutes faites. Ok, on peut ouvrir ça, mais il y a une porte ici aussi. Tasse-toi, toi. Je savais, j'avais vu une porte là. Ah, je peux avoir plus de fusils, de balles. Pour le pompe, c'est bien ça. Celui-là, c'est un que j'avais jamais fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai plus un Battlefield. Le dernier, c'était quoi, le 5, là? Ah, 2042, hein.
Moi, tout de suite, les jeux que je joue à ça, je joue à The Quarry. Nouveau jeu d'horreur qui est sorti. Je joue à Bully, que j'avais jamais fait. J'ai rien joué une fois jusqu'à date, là. J'ai commencé avant hier. Ah, c'est lui qui marche pas. Et voilà. Pas trop compliqué. Si jamais tu veux voir la liste des jeux, j'ai fait un... J'ai vu The Quarry vite fait passer, mais je l'ai pas testé. Merci pour le follow. Bienvenue dans la tribu Spooky PZR. Bienvenue dans la tribu du Caribou Canadien. Ça fait super plaisir ton follow. Oh yeah! Le pan ou la proue? Je pense que c'est la proue. Ah, mais c'est vrai, je venais chercher la clé, puis la clé, je l'ai. Hein. Si jamais tu veux voir la liste des jeux, tu peux voir dans le profil. Et tu peux aller voir les jeux que j'ai terminés en 2022. J'en ai terminé 47, je pense, jusqu'à date. La liste est là. Bon. Bah, le manium, j'ai pas de manium. Ah, c'est quoi ça? Il faut la carte, j'ai pas de carte. Ça aide pas. Même chose aussi. Il faut la carte, j'ai pas de carte. La carte, j'ai pas de carte. Je vais cliquer dessus pour moi que ça me dit. Là. Ça apparaît sur la map que j'ai pas pu l'ouvrir. Bon, on ira pas à la proue. Hein? On peut pas y aller. Je sais qu'il y a une autre place que. Je vais aller sur le pan promenade. Je suis curieux. Ah, mais je pouvais aller sur le pan. J'arrive de la pan promenade. Bon. Sinon, je joue à Fortnite un peu, puis je joue... Ben là, j'ai commencé à jouer hier à Fall Guy, là. Je me suis dit que j'aurais pas joué parce qu'ils sont 2 ans de tard, mais j'ai joué, puis j'ai quand même aimé ça, fait. C'est un jeu passager, là. Je peux pas croire que j'aimerais ça pour... Tu peux pas aimer un jeu comme ça, puis jouer pour l'éternité, là. C'est un jeu, tu joues un peu, puis... Ok, je sais ce que je suis. Je suis au début. Il me semble qu'il n'y a pas une porte avec une proue à quelque part ici. Pas une proue, mais... Là, j'ai pas assez exploité le bas, là, ou plutôt observé. Cabine du haut, cabine du bas. Non, y a toutes les portes sont ouvertes. Ça. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là, pas là.
Donc, tu joues pas vraiment à Warzone? Je suis pas un fan de Warzone, moi, mais... Je jouais beaucoup à Apex, puis j'ai arrêté tout d'un coup. Hein. Ah ah! Je pense que c'est là. Non, c'est un ancre. C'est pas grave, non, il faut que je vois là pareil, par ici. Ça ouvre quoi, ça? Ah ah! Ok, t'es pas fan de... T'es pas plutôt... T'es pas très fan. Ça, ça m'amène une étage au-dessus ou une étage en dessous? Je me rappelle plus. Au-dessus, il semblerait. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Je me rappelle plus. J'ai pas assez observé. Semblerait que j'ai jamais été là. Non, j'ai jamais été là. Peur, ça. C'est quoi cet endroit? Un endroit qui fait peur. Un endroit que j'irai, que je m'en irai en courant. Excellent. Bon. My God. Facile! Facile! Ah, un fusil. Reportage de noyade. Nettoyage, oui. Hein. Le rapport de nettoyage. Le reportage de noyade, j'ai dit n'importe quoi. Bon, continuons. Il y a un commentaire écrit à la main. 25 mars, il y a des sortes de coquillages au fond de la piscine. Je sais pas d'où ça vient.
Il faudrait nettoyer ça au plus vite. 30 mars. Zut, les coquillages sont de retour. Ils sont groupés ensemble comme une colonie. C'est peut-être une nouvelle espèce. On pourrait peut-être les manger. La canalisation d'eau était endommagée. Elle est réparée, mais l'eau est peut-être contaminée. Le type en charge de la sécurité n'était pas content. Je me demande s'il y a un rapport avec ces étranges coquillages. Burke. Bon, c'est pas une nouvelle espèce de coquillage, ça c'est sûr. Le rapport se finit ici. Bon, voilà. Peut-être moins clair. Je devrais pouvoir nettoyer le bassin avec ça. Ouais. On reviendra plus tard. Ok, maître Jedi. Bon. On a débarré une porte tantôt, on va aller par là. J'imagine que ça prend du temps à ouvrir cette porte-là, c'est parce que... le téléchargement. Je suis curieux là-bas, il semble avoir quelque chose. Ah! Marche pas. Okay. Les mêmes choses. Bon, ça c'est ça que j'ai débarré tantôt. J'avais déjà lu ça. Ça dit qu'elle allait être sur le pont. C'est lui qu'on a tué tantôt pour avoir la clé. Ça c'est une porte qu'on n'avait pas ouverte encore. Cinématique. Raymond. On arrive tous les deux trop tard. De quoi est-ce que tu parles? Créatures ignorantes qui ne nous connaissaient pas encore. Vous deux. Le temps de la parole est venu. Regardez. Tu veux que je renouvelle la couleur désespérée qui, seulement d'y penser, oppresse le cœur. Cher ami au masque. Mais si mes paroles doivent être une semence d'où sortira l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas. Le monde est entre nos mains. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Il transforme
comme un enfant pourrait deviner ce qui va se passer. Je connais pas. Nous sommes Veltru, les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer. Alors voilà le coupable. Je savais que c'était Veltru. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. Envoyez une équipe à Baikonen Moki. Il faut retrouver ce maringouin. Oui, bien reçu. Sors d'où, lui? Je vais envoyer Quint et Kiss. Quoi? Vous deux, préparez-vous à décoller. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Ramenez tout ce que vous trouverez sur Veltru. Je n'y vois rien. Je croyais que la Méditerranée ressemblait à un gros lac. Sois patiente. Un bateau en pleine mer, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Sans blague. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Dis, tu m'écoutes au moins? On va te retrouver, Jill. On va te retrouver! Je te le promets. Je te le promets! Épisode 3. Le fantôme de Veltru. La fin. Mes jeux aussi, je les fais à normal. Je le fais pas à hard, je le fais pas à easy, toujours à normal. Mais s'il y a un mode histoire, je le fais souvent en mode histoire. Exemple, un jeu de survie, je vais le faire en mode histoire. Là. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Vraiment? C'est toi, pas vrai? Ça fait mal, gamin? Non, je peux encore me battre. Apprends vite. Je suppose que vous avez tout prévu, mais je doute fort que le FPC arrive à couvrir ses arrières sur ce coup. La justice divine va purifier la terre. Comme pour Raccoon City. Le Terra Grigia disparaît. On arrive tous les deux trop tard. Vous deux, regardez. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. On va te retrouver, Jill. Je te promets. Resident Evil. La révélation. Un cauchemar revisité. Épisode 4. Je fais les pour... Non, je fais le générique. J'aime pas... Ça m'arrête. Moi, je fais les... je commence du point A, je me range jusqu'à la fin. Je vais pas faire les 100%. C'est les génériques qui m'intéressent. Les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer. Foutu terroriste. On a déjà tué ces salauds. Vous en avez raté quelques-uns. Et ils sont ici. Et maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. Jill, regarde ça. Le courant est coupé sur tout le bateau. Le système électrique de secours alimente le bateau, mais les transmissions dépendent du courant principal. On doit relancer la salle des machines. Mais ça va pas être facile. J'avais-tu lu ça? Procédure d'urgence. Ce navire ayant déjà été impliqué dans un accident, des principes de sécurité ont été ajoutés au code de sécurité maritime.
Tous les membres d'équipage doivent lire et étudier ce manuel afin de connaître la procédure en cas d'urgence. Le Queen Zenobia est équipé de deux groupes d'électrogènes indépendants. Le groupe électrogène principal tombe en panne, le groupe secours situé dans la cale prendra le relais et alimentera le navire en courant. Ce navire est équipé de cloisons verticales et horizontales qui se redigent automatiquement l'eau en cas de voie d'eau. En cas d'urgence, les cloisons peuvent être contrôlées par le système de contrôle de la cale. Ce système sera toujours opérationnel même après de légers dégâts. Bon. Raymond. Prenez ça, vous en aurez besoin. Effectivement, ça ne sera pas facile de remettre le courant. Ah! Avec l'ancre. Cette clé vous permettra d'accéder au casino au premier niveau. Un ascenseur vous emmènera dans la cale. Dites-moi quelque chose. Vous n'avez pas vu d'autres membres du FPC dans les barrages? Je n'arrive pas à joindre Rachel, ma partenaire. Bon sang! Je n'ai plus de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans la cale. Je vous l'ai dit, l'entrée du casino est dans le hall du premier étage. On devrait peut-être chercher Rachel. Pourquoi pas, mais seulement une fois qu'on aura rétabli le courant. Mais là... Juste curieux qu'est-ce qu'elle a... Mais y a-tu un ou deux endroits avec ça, ces clés-là? Ça n'a rien d'aller là. On peut toujours aller voir. Ça, c'est où est la piscine? Mais où est la piscine? Elle est belle, la piscine. Le cœur me lève. Mais où est la piscine? Je vois la piscine. Je suis pris, torse-toi, toi. Mais où est la piscine? Je vois ma vie. Mais où est la piscine? Dispense. Ah ouais, un arsenal. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ah bah ouais, ok.
Bon. Rien donné, sauf que... on est mieux équipé. Ah, il y a un autre... ah, ça, j'avais pas vu ça, par exemple. Allez, monte-le. Je rentre pas tout seul, cette affaire-là. Ah! Non. Bon, le casino, je me doute où il est. Mais où est la piscine? C'est la plus belle. Mais elle est fantastique. C'est vrai, faut que je place mes nouvelles badges. Je me suis fait faire des nouvelles badges, des nouvelles émoticônes, je les ai pas encore mis. Faut que je mette ça ce soir. Tu vas faire 4 nouvelles émoticônes puis 6 badges. Ah, ça c'est le casino, mais c'est pas là que je vais aller tout de suite. Je sais qu'il y a un autre endroit où il y a une clique casino. Ça, ça va où? À la promenade, ça j'ai déjà été là. Ça marche pas ça non plus. Ok, c'est correct, j'ai compris. Lâche-moi. C'est pas par là, faut que je vois. Je suis perdu, c'est bien ça. C'est peut-être là, c'est où ça? Pas de là, j'arrive. C'est là que t'es la piscine, non? Non, non, la piscine c'est plus haut. Ok, ça, ok, ouais. Ça donne rien d'être là. Oh, j'avais pas pris ça. Faut que je monte d'un étage. Ah non, la porte est là, en face. C'est ici.
Et voilà. Munitions pistolet, munitions pistolet. Munitions magnum, j'ai pas de magnum. Ça, c'est pour améliorer les armes, je les ai jamais utilisées encore. T'assois. C'est un poulet, ça. Une dinde. Bon, allons au casino. La musique a arrêté tout d'un coup. Une sauvegarde. Quelque chose qui se traîne. Ah, c'est un poisson. Il y a quelque chose en haut là. Courant est coupé. Bon. Ok. Tu as balle à pistolet. Ah, je vais avoir plus de balles. Vous êtes. Je suis content qu'elle est fermée. Là. Rapport du personnel du casino. J'ai enfin trouvé comment déjouer la sécurité de la salle VIP. Cette pièce est réservée aux plus gros joueurs. J'ai toujours voulu savoir ce qui s'y passait. Très facile, il suffit de donner des pièces à la file à côté de la porte pour désactiver la sécurité. Il faut mettre le bon poids. 107 grammes. Ce n'est pas cher à payer pour entrer dans une salle VIP. Bon. Bonjour madame. Un objet caché dans ses seins. Bon. Une balle de magnum. Puis utiliser cette janteur pour rétablir le courant. Mais pourquoi pas? C'est le plus beau jour de ma vie! C'est un bateau de croisière. Ils ont tous des casinos. Ah, c'est là où faut que je mets les coins.
Et là où je mets les pièces. Là où je les prends où? Là, tu joues pas jouer aux machines pour les avoir, là, c'est débile. Là. Ah, tabarnak. Merde, il est infecté. Attention. J'ai vu ça dans la vidéo. Un cadeau de notre ami, l'homme au masque. Ah, merci. Et en tabarnak, c'est plus qu'une jump. Ça arrêterait de tirer dessus. Calmer un peu. Jill, regarde. J'ai vu quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Ah, c'est le poisson qui l'avait. Ah, mais le jeton, ok. Fait, on met juste le jeton tout seul, ça devrait y aller. Bonjour, madame. À moins que le jeton, je le mets dans... Non, je sais pas. Non plus. Je vois pas où... Quel autre endroit à part que là? C'est là avec ces maudits tétans, il y a là. Il voit juste ça. Ah, là. J'en ai pas de jetons. Ah. Alors, je peux avoir plus de jetons avec ça? J'aimerais avoir la même chez moi. Bon. On en regarde de nouveau, je me rappelle plus du chiffre, et ça. 107. 107.
Oh yeah! C'est là que tu améliores tes armes, là. Ou tu peux acheter des nouvelles armes. Bon, on a amélioré nos armes. Ah, mais j'ai pas fini d'observer. J'ai regardé quelque chose rapidement. On n'ira pas par là. L'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne encore. Jill, la clé pour démarrer l'ascenseur a disparu. Alors il faut la trouver. Ok. Je vais regarder par ici pour voir si je la trouve. Compris. Je vais fouiller la zone.
facile. Donne-moi un des puzzles faciles. Peut-être. Le cadavre que t'as vu tout à l'heure? Ouais, j'espère que c'était pas elle. Oh, la femme qui s'est fait tuer, là. En morceaux. Oh! Trace de main, j'imagine. Un objet. Mais... en tout cas... tire dessus, ça va aider. Là, on a déjà été là, je pense. Peut-être qu'on y revient par un autre accès, parce que là, on sait qu'on cherche quelque chose.
Putain de chiennasse. C'est là que se trouvait le mannequin de Chris. Ouais. C'est là que vous êtes tombé évanoui. Mystérieuse instruction. Nous devons remplir notre mission. Au plus vite après avoir abordé le Queen Zenobia, nos deux cibles seront bientôt là, mais elles ne doivent pas compromettre la mission. Faites les bons choix, ne vous laissez pas déborder. Sécurisez la pièce, trouvez la pièce la plus accessible dans le quartier des officiers et sécurisez-la. D'après nos informations, il y a peut-être des armes biologiques à bord. Soyez extrêmement prudents en toutes circonstances. Matériel et accessoires d'espions qu'on vous a donnés doivent dérouler. Dérouter nos cibles. Suivez les instructions pour savoir où les placer dans la pièce, ensuite quittez immédiatement la pièce et ne laissez aucune trace de votre passage. Le but principal de cette mission est d'envoyer les cibles sur une fausse piste. Elles doivent donc être menées en toute discrétion et rapidement. Les cibles ne doivent pas vous voir, n'ouvrez pas le feu sur elles, votre priorité est la discrétion, je me charge du reste. Et bye. En bas, on peut pas y aller. Le côté du mur. Tabarouette, mon ombrage m'a fait peur. Ah, ça on pouvait pas l'ouvrir. Ah, maintenant on peut. Changer d'arme. Wow, wow, wow. Changement d'arme. Quand vous changez d'arme, l'arme que vous abordez devient automatiquement disponible dans n'importe quelle boîte d'armes. Ah. L'emplacement de ces boîtes n'apparaît que sur dans le menu. Bon, je sais pas. C'est sûr que je...
Encore Alice, qu'est-ce qui me parle? Te voilà. Ok, c'était par ici. La clé est restée là. Un indice dans l'auteur de ce passage, de ce message. On m'a forcé à accepter cette mission. Je ne voulais pas risquer ma vie pour ce boulot. Quoi qu'il en soit, la première étape est terminée. J'ai la clé de mon charge. Je peux accéder à la cale maintenant. Ce bateau a servi de base aux terroristes lors de l'attaque de Terra Grigia l'an dernier. J'ai trouvé UAV utilisé pour répandre le virus sur le pont avant. J'étais content de trouver UAV, mais beaucoup moins de me faire attaquer par un horrible monstre sorti de nulle part. Je savais que cette mission allait mal tourner depuis le début. J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai déjà perdu un œil. J'ai du mal à se voir. Je me sens super mal. Mes bras sont bizarres aussi. Mon bras droit s'est dévissé en deux. Du sang sur tout mon corps. Peut voir mes os. Besoin d'un médecin. L'écriture est tachée de sang. Ben, crois-tu? Tiens. Parlant de la folle, elle est là. Oh non, elle... Jill, tout va bien? J'ai trouvé Rachel, mais c'est un zombie. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je te vois, je devrais t'attaquer, te tuer, te chercher, mais où es-tu rendu? J'ai mal à l'amour, j'ai mal dans les yeux. Eh bien quand...
voilà. Avec moi. Sauver de même tout le temps, là. Je vais pas cacher toute la soirée avec toi, moi, là, là. J'arrive pas à croire qu'elle ait changé si vite. Le virus est bien plus puissant que je le pensais. C'est une affaire pour me remplir en plus. Deux. Acheter d'autres objets. Une plante. Moi qui étais déjà là, je l'avais pas prise. Mal. J'ai mal à l'amour, j'ai mal dans les yeux. Allez, je suis pris, tabarnak! Non, t'es pas à moi, là. Puis là, tu me gosses. T'es où, là? Allez. Bon. On l'a eu, la petite maudite.
Prends la clé. Numéro 4, la clé de l'ascenseur, de rien. Alors c'était bien Rachel. Je voudrais pas finir comme ça. La prochaine sauvegarde, on va changer de jeu. Il est quelle heure, hein? 3h. On a le temps pour un autre jeu. Je pense que je suis pas à bonne place. Je suis pas à bonne place en tout. Revenu au début. J'ai passé ce droit quelque part. Tu vois, 16 balles de fusil que je laisse derrière. Tu vas morte là. Ah oui, c'est l'ascenseur que j'ai pris tantôt. Ça veut dire que Veltro a dupé le FBC aussi? Je sais pas. Peut-être qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Pour l'instant, l'important c'est de remettre ce bateau en état de marche. Et voilà. Oh non, c'est pas fini. Cinématique. J'ai entendu un bruit. C'est parti.
parti pour la descente aux enfers. Ah, excellent. Le cauchemar revisité, la fin. Épisode 4. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil. Révélation live sous la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!